Bonjour. Alors, aujourd'hui, avant de vous parler de la suite de cette épopée, je voulais revenir sur deux choses. D'abord, hier, j'ai remercié certaines personnes et je voudrais remercier aussi, j'ai oublié, mon ami Thibault Lasserre de Post-Up France, le site internet et également la page Facebook du même nom, qui a relayé mes vidéos. Donc merci Thibaut, ce site est connu dans le monde du basket féminin dans toute la France parce qu'il couvre le basket français féminin, européen et même mondial. Et je voudrais remercier également Bruno Robali qui est journaliste à Pyrénées Presse, c'est-à-dire à l'Éclair et à la République des Pyrénées, qui m'a contacté hier et en me signalant qu'il allait parler de ce que je suis en train de faire ce soir à 17h, à partir de 17h, sur la nouvelle web télé qui a été fabriquée, on peut dire, durant ce confinement, qui s'appelle Bonsoir le Béarn, qui diffuse tous les soirs de 17h à 19h. Et à partir de 17h15, lui, il intervient tous les soirs. Il m'a dit qu'il allait parler de ces choses-là. Voilà, donc merci à eux. Ensuite, hier, j'avais lancé un appel à Claude Joubert par rapport aux résultats de Critérium dont il avait participé lors de ses années cadets, où il avait fini deuxième et troisième. Et il a répondu à mon appel, puisque hier soir il m'a téléphoné, en me donnant quelques précisions. Alors, je vais vous dire exactement de quoi nous avons parlé. Alors, comme je vous l'ai expliqué déjà hier et même les jours précédents, je n'ai pas toujours des éléments de réponse sur certains résultats et sur d'autres résultats également. Hein. Je ne les connais pas parce qu'on n'arrive pas à les retrouver. Donc, rendons à César ce qui appartient à Claude Joubert. Lors de la saison 1962-1963, qui n'était pas du tout précisée, il a remporté le critérium départemental minime, parce que ce que je vous ai parlé hier, c'était sur ses années cadets. Puis, donc, il a été qualifié pour la région, à Bordeaux. Il a remporté ce critérium régional, ce qui fait qu'il a participé à Brest, à la finale nationale, où il a terminé à une très belle septième place. L'année suivante, il a récidivé lors de sa deuxième année minime. Sur le plan départemental, il l'a encore regagné, donc lors de la saison 1963-1964. Il m'a même donné quelques anecdotes qui valent le coup que je vous les raconte, même si elles n'ont rien à voir vraiment avec le basket, quoique. En 1959, a eu lieu à Pau le premier tour de Pau à trottinette pour les enfants. Et savez-vous qui l'a remporté? Un sportif accompli, un athlète. Claude Joubert. Il m'a aussi raconté que lors de ses deux années junior en basket à Nord-Est, avec trois autres partenaires que je vais citer, Jean-Louis Galaret, Francis Dibet et Jean Thor, ils disputaient le championnat départemental de leur catégorie junior, donc le dimanche matin, et l'après-midi, tous les quatre changeaient de maillot, ils mettaient des crampons et ils allaient jouer au rugby avec les juniors de Pau Nord-Est. Car l'histoire de Pau Nord-Est débuta avec le rugby avant de débuter avec avant le basket. Donc, merci Claude pour toutes ces informations et ces anecdotes. Et si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me contacter soit par SMS, soit par Messenger, soit par téléphone pour ceux qui ont mon numéro pour me les raconter. Ça plaira toujours. Voilà, donc je vais poursuivre notre période que je vous avais laissée à la fin de la saison 1964-1965. Donc là, on va attaquer la saison 1965-1966. Et cette année-là, Marc Capot présenta pour la première fois une équipe féminine. Mais surtout, ce qui attira l'attention des basketteurs, c'est que la presse locale s'engageait à diffuser davantage de basket dans ses pages. L'évidence est que jusqu'à présent, la parution d'articles et des résultats était assez fragmentée. Enfin, il faut quand même préciser que c'est à partir de 1931 que la presse locale a commencé à mentionner dans ses colonnes sportives le basket, alors que ce dernier était dans les prémices de son existence dans les Basses-Pyrénées. C'est après la guerre de 39-45 qu'il disparut un peu plus. Donc pour cette saison, le comité est désormais présidé, pour cette saison 65-66, présidé par Henri Daricarère. Et le comité a décidé de mettre en place une coupe handicap pour les équipes seniors masculines et féminines. Comme je vous l'ai déjà raconté, il y avait eu déjà par le passé différentes coupes handicap.
Mais je pense que finalement, l'actuelle Coupe des Pyrénées-Atlantiques est la véritable descendante de celle instituée lors de cette saison 1965-1966, tant chez les filles que chez les garçons. Le comité décida aussi de leur donner les noms de deux dirigeants récemment disparus et dont je vous ai parlé hier, Jean Rey pour les masculins et Emma Castaing pour les féminines. Malheureusement, on ne retrouve plus aucune trace des vainqueurs des premières années. En novembre 1965, Bernard Lamarque, que je vous ai parlé hier, de l'Union sportive orthésienne, est sélectionné en équipe de France junior. À cette époque, l'équipe junior de l'Union sportive orthésienne était composée donc de Bernard Lamarque, Alain Laroukis, Blache, Cabé, Lolo, Galin et Canas. Au critérium du jeune basketteur, donc j'y reviens sans avoir peut-être tous les bons résultats, donc s'il y en a qui les connaissent, n'hésitez pas à me contacter. En Benjamin, c'est Caroso de Mourenx qui l'emporta, devant Arguindégui de la Jeanne d'Arc d'Oloron et troisième Coelho de l'Union sportive orthésienne. En minime masculin, premier Réolon de Mourenx. Alors Réolon, apparemment, il y avait deux frères, donc je ne sais pas lequel, je n'ai pas le prénom. Deuxième Pasteur d'Urquhuit et troisième Alain Ross de l'Union sportive orthésienne. En minime fille, c'est Andrieux de l'Union sportive béarnaise qui finit première devant Pontac de Mourenx. Et la troisième sera Ondars du Ras d'Anglet. En cadette, c'est Chouriste de Bourbaki qui termina première devant Dubosc de Saint-Joseph de l'Escar et Pérez de Mourenx finit troisième. Par contre, comme les trois premiers de chaque catégorie étaient qualifiés pour la finale régionale, c'est Alain Ross de l'Union sportive orthésienne qui remporta le titre, qui lui permit de participer à la finale nationale à Paris. Par contre, l'UFOLEP créait également un critérium à cette époque-là. Et Nadine Galobé de l'Amicale laïque de Bière termina première de la finale à Paris qui eut lieu au stade Pierre de Coubertin. Cette saison voit aussi l'école normale des filles de Pau remporter le titre de championne de France ASU de basket, avec comme entraîneur Madame Famoz, la maman d'Annie, la championne de ski très connue à cette époque-là. On apprendra aussi malheureusement le décès d'Henri Cazenave à 55 ans, licencié au Bleuet Notre-Dame de Pau, qui fit partie des membres fondateurs du comité des Basses-Pyrénées. On arrive à la saison 1966-1967. Nous avons terminé la saison précédente par une mauvaise nouvelle. Nous commençons celle-ci par une autre aussi triste. Le 13 juillet, on apprenait le décès de Suzanne Baccaris, que vous devez avoir en photo là actuellement au milieu de trois messieurs, l'épouse de Simon, qui deviendra au fil des saisons sa meilleure collaboratrice. Elle fut secrétaire administrative et membre du comité des 3B, mais aussi des Basses-Pyrénées. Elle deviendra par la suite membre du comité directeur de la Ligue de Guyenne et ensuite de la Ligue de l'Adour. Son dévouement à la cause du basket pyrénéen fut déterminant dans son développement, notamment dans les années difficiles. Durant cette saison, on retrouve des traces de la Coupe internationale des Pyrénées, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, avec les Espagnols de Saragosse, Huesca et Saint-Sébastien, et les Basses-Pyrénées avec Mourenx, la Jeanne d'Arc d'Oloron, une sélection d'Orthez et l'Aviron bayonnais. Je vais vous donner le nom de quelques arbitres qui officiaient dans notre département à cette époque, et à certains, ça va leur rappeler des souvenirs. Jean-Claude Biener, Corteil, Artieda, Blanchot, Dussarps, Marchand, Spoti, Elizondo, Pontac, Fouquès, Coco Bergada, qu'on a parlé hier, Daraspe, Léon Larède, Poigniraud, Depeyris, Lamiscard, Maisonnab, Mesdemoiselles Lapic et Schmitt de l'Union sportive béarnaise, Jean-Claude Latapie, Roger Brard, Robert Jaunier, Grégoire Marinet, Dulou, Darac, Payet, qui était coiffeur à Orthez, autant que je me souvienne, Duprat, Henri-Darry Carrère, René Baccaris et Robert Dumont. En avril 1967 à Dijon, la sélection Espoir d'Aquitaine remporte le tournoi national dans la catégorie. Dans cette équipe évoluaient trois joueurs des Basses-Pyrénées, Dubroca de l'Aviron bayonnais, Lacou de Mirepex et Jean-Claude Réolon de Mourenx. Il manquait dans cette équipe Camille Sarty du Boucau et Alain Laroukis de l'Union sportive orthésienne qui n'avait pas pu se libérer.
La FIB, c'est-à-dire la Fédération internationale de basketball, propose quelques nouvelles règles qui ne seront mises en vigueur que l'année suivante, après les Jeux olympiques de Mexico. Alors, écoutez bien, le terrain doit comporter à nouveau une ligne médiane. Alors, sûrement qu'il l'avait supprimée à une époque, je n'ai pas eu de nouvelles. La longueur des filets doit être réduite à 30 cm. La pause entre les demi-temps sera de 15 minutes. En attaque comme en défense, le ballon sera toujours remis en jeu par les arbitres, c'est-à-dire il sera touché par les arbitres. Durant les trois dernières minutes de jeu ou d'une prolongation, les fautes intentionnelles, c'est-à-dire ce qui sont maintenant appelées les antisportives, seront pénalisées par deux lancers francs. Le deuxième lancer franc pourra être tiré ou remis en jeu à la touche suivant la demande de l'équipe. Et oui, imaginez, vous gagnez d'un point en ayant réussi le premier lancer franc, et il reste quelques secondes à jouer, et si jamais vous ratez le deuxième, vous risquez de prendre un panier derrière. Peu de résultats au terme de cette saison, si ce n'est que la section paloise descend en promotion d'excellence région, alors que les filles et les garçons de Pomarca accèdent en promotion excellence région. La saison 1967-1968, Roger Dufréchou, dont je vous ai parlé plusieurs fois, se tue dans un accident de la route dans les Landes durant cet été 1967. Il fut à l'origine du basket dans notre département et membre du comité en 1938, en étant un des principaux collaborateurs de Simon Baccaris et également licencié à la section paloise. André Bergeron, le fondateur de la section basket des PTT de Pau et membre du comité des Basses-Pyrénées, succombe lui à une crise cardiaque le 12 août à l'âge de 58 ans lors d'une surveillance des jeunes des PTT de Pau à la piscine de Mourenx. Cette année-là, arrivé en Fédération française de basket des clubs de Mazerolles, Sceaux de Navaille, la MJC Polo-Berry et la MJC Balichon. Alors je ne connais pas, je suppose que Balichon, ça doit être du côté de Bayonne. Le 19 octobre a lieu un grand match à la Moutette à Orthès, où l'Élan Bernay reçoit Caraman en championnat de France. L'Élan l'emporta 62 à 44. Mais si je vous parle de cette rencontre en particulier, c'est parce que la presse de l'époque signalait qu'il y avait un public nombreux à la Moutette et surtout qu'il y avait eu une recette record avec 710 francs d'entrée. Qu'en penserait mon ami Didier Gadou maintenant? Pour en rester avec l'Élan Bernay, on a retrouvé des traces de la composition de l'équipe 2 de cette saison-là. Je vous la donne, elle est historique. Bleuven, Darbas, Sudre, Raymond Bergès, Campet, Bloy et un certain Pierre Seyant. Le 14 janvier 1968, quatre joueurs des Basses-Pyrénées sont retenus en sélection Espoir Aquitaine, Réolon de Mourenx, Lolo de l'Union Sportive Orthésienne, Ducournau et Bernard Lamarque de l'Élan Bernay. En février 1968, renouveau du basket à l'Union Jurançonnaise grâce à Martial Dieu, ancien de la section paloise. En mars, on apprend que Robert Jaunier, que vous devez avoir à l'image, arbitre fédéral de la Fédération française de basket, a été désigné pour arbitrer durant les championnats d'Europe de la SNCF. Il faut savoir que Robert Jaunier était chef de gare à Pau. Et si tu me regardes, Robert, je te salue. Au terme de cette saison, l'association sportive Salice de Béarn en masculin et l'association sportive Bourbaki, c'est comme ça qu'elle s'appelait, en féminine, montaient en promotion région. L'Élan Bernay, quant à lui, accède au championnat de France de Fédéral 3. Au niveau du critérium du jeune basketteur masculin, en benjamin, c'est Bourdieu de la Jeanne d'Arc d'Oloron qui l'emportait, et en minime, Jean-Marc Poudens, également de la JAO, finissait premier. Chez les filles, en minime, victoire d'Evelyne Gracianette de Pomarca, et en cadette, Carmouze de l'Union Sportive Béarnaise. La saison 1968-1969. Arrivée en Fédération Française de Basket, cette saison des filles de Gurmanson, Argagnon et Henri IV de Pau. C'était le collège Henri IV. En novembre, durant les vacances scolaires, un stage est organisé à Orthès avec comme entraîneur Goulven Stéphane, Roger Darac, Gilbert Lafont, Léon Duprat et Mademoiselle Loga. Ce sont 60 garçons et filles qui y participaient afin d'en ressortir 12 de chaque groupe pour un stage régional qui aura lieu à Bordeaux. Au mois de mars, à Châteauroux, les juniors de l'Union Sportive Orthésienne remportaient les demi-finales de la Coupe de France UFOLEP face à Saint-Vallier 59 à 56. Ils se qualifiaient pour la finale qui eut lieu à Berck
contre le vainqueur de l'autre demi-finale entre Le Mans et Bourg-en-Bresse. Nous ne connaissons pas le résultat de cette finale, si quelqu'un l'a, merci de nous la communiquer. Les juniors de l'élan de cette époque-là ont retrouvé les frères Fourcade, Alain Laroukis, Moulia, Alain Ross, Brugier, Foy, Courtala et Lassala. En demi-finale de la Coupe de France des patronages, la Jeanne d'Arc d'Oloron s'incline face à Saint-Thomas d'Aquin du Havre 80 à 48. Au terme de cette saison, l'Union sportive de Mourinx remonte en championnat de France de Fédéral 4, alors que l'Élan Bernay, en finissant deuxième de sa poule, échoue d'un cheveu pour la montée en National 2. Georges Pétriat de Saint-Giron se voyait attribuer la médaille d'argent de la Fédération française de basket, alors que Roger Brard de Mourinx et Pierre-Horry d'Urquit recevaient la médaille de bronze de cette même fédération. La saison 1969-1970. Commençons par les chiffres. Celui d'abord des clubs engagés en Fédération française de basket, ils étaient 50. Clubs, je dis bien. Et du nombre de licenciés, 1490. Ensuite, création de plusieurs clubs ou renaissance d'autres. L'association sportive de la CAF de Pau, je suppose de la caisse d'allocation familiale. NAI, qui s'est dotée d'une salle. La SPTT de Bayonne et Espelette, qui vient pimenter le comité, si je puis dire. Cette année-là, c'est Artix qui détiendra le nombre record de licenciés avec 102 adhérents. Seuls trois clubs du département évolueront en championnat de France pour cette saison. Les Lambernais d'Orthès et Mourinx en Fédéral 3 et les filles du Ras d'Anglette en Fédéral 4. Le 16 octobre de cette année 1969, un décret officiel est publié et fait changer le nom des Basses-Pyrénées, elles deviennent les Pyrénées-Atlantiques. Au mois de décembre, six cadets et cadettes sont retenus en sélection aquitaine. Il s'agit de Pierre Pellegrin de Mourinx et Arguin-Degui de la Jeanne d'Arc d'Oloron chez les garçons. Et chez les filles, Chantal Douet et Martine Bordas de Mourinx, Marie-France Mancel du Ras d'Anglette et Françoise Duclos d'Artix. Faisant suite à ce stage, Martine Bordas de Mourinx fut la seule des six à être retenue pour un stage national à Paris. En janvier 1970, Odette Lapique de l'Union sportive béarnaise reçoit la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports. Le 29 février, grâce à sa victoire 58 à 55 devant Muret, l'élan béarnais d'Orthès finit premier de sa poule du championnat de France de Fédéral 3 et accède donc à la Nationale 2 pour la saison suivante. Il doit encore disputer une poule finale pour le titre national. Malheureusement, ils échoueront, battus par Montferrand au Pointe-Average. Mais l'essentiel est là. En mars, grâce à son succès sur Périgueux, 47 à 43, Pyrénéa assure la montée en Fédéral 4 pour la saison suivante. Au mois de mai, en finale de la Coupe de France des patronages cadettes, Bourbaki l'emporte devant l'Alsace de Célesta, 29 à 28. L'équipe de Bourbaki était composée de Annie Perret, Joël Schenenberger, Brigitte Rossignol, Michel Jacquemin, Françoise Fourcade, Evelyne Lacaze, Geneviève Massat et les sœurs Marie-Claude et Pascal Claverotte. Les filles de l'Union sportive orthésienne sont championnes d'honneur aquitaine et accèdent à l'excellence. Parce qu'à ce moment-là, de l'honneur chez les filles, on passait directement à l'excellence. Il n'y avait pas de promotion excellence. Au critérium du jeune départemental, victoire de Patrick Amoyel, que vous devez avoir en image, de Pau Marca, qui est ensuite parti à l'Élan Béarnais et qui fut international junior. Et ensuite, je sais qu'il est parti finir sa carrière, je crois, du côté de Muret. Donc il avait gagné devant Éric Marquet de Mourinx, donc chez les garçons. En ce qui concerne les filles, c'est Olivia Nicolon de Mourinx qui l'emporte devant Evelyne Laborde de l'Union sportive béarnaise. Celle-ci, Evelyne Laborde, va d'ailleurs gagner la finale régionale et va se qualifier pour la finale nationale à Paris. En finale de la Coupe Emma Castin, victoire du Ras d'Anglette, alors qu'en masculin, malheureusement nous ne connaissons pas le nom du vainqueur. Au mois de mai, Robert Jaunier, que vous devez avoir à l'image, recevait la médaille d'argent de la Fédération française de basket, alors que messieurs Élisson de Dartix et Duluc de Bayonne recevaient celle de bronze.
Demain, je vous parlerai de la suite de ces années 70, avec surtout le coup de fouet extraordinaire que l'élan béarnais allait apporter au basket départemental, régional même. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, confinez-vous bien, ciao!